Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 23e épisode de mon Let's Play sur le jeu Towns, j'allais dire le guide pour bien débuter à Towns, mais non, c'est pas ça. Alors, je vous avais laissé la dernière fois, et ben il commençait à faire le... Vous avez fait une bonne partie de l'étage numéro 16, les héros. J'avais plus que deux héros, je crois. Bah là, j'en ai regagné un petit peu. Attendez, je bouge un peu les matos sur ma table. J'en ai regagné un petit peu, et surtout, ils ont fini le niveau. Voilà, voilà, donc plus qu'un niveau. Allez, c'est parti. Descendez encore d'un cran. Il reste ce niveau-là et qui va être extrêmement hardcore, je pense. Alors, niveau... j'ai un héros niveau 50, 36, 33, 47, sachant que j'ai perdu un 45, bêtement. Enfin, bref. Voilà, et pour ce qui est des étages supérieurs, j'ai un petit peu augmenté la production de certaines ressources. Parce que ça craignait un peu. Mais genre un peu beaucoup. Hop. Voilà. Je vais mettre un petit peu plus de blé. Ils avaient plus du tout assez de canne à sucre. D'ailleurs, faut que j'en refasse encore un peu parce que je sens que ça va pas être assez. Voilà. Oui, ils mangent comme pas possible. Et du coup, au niveau des stocks, c'était un peu juste. Alors, reste ici aussi à faire. La dernière fois, on avait commencé. Je m'en suis pas occupé pendant les 2 heures où j'ai laissé tourner le jeu. 2 bonnes heures même. Ah, et des échafaudages. Mais il n'y avait pas déjà des échafaudages ici? Attendez, je deviens fou. Je croyais que j'avais mis des échafaudages. Faut croire qu'ils ont disparu. Bon, bah, on va remettre des échafaudages de toute façon. Hop. Allez, quelques échafaudages supplémentaires. Au boulot. Et une fois qu'on a ça, non, c'est pas ça que je cherche, c'est... Hop, wooden roof. Un niveau supplémentaire. Et on y va, c'était le vernage. J'ai appuyé sur verrouillage majuscule et c'était pas ça. Alors par contre, je sais pas du tout comment ils vont faire pour redescendre. Ça va être la grande question. Comment mes villageois vont faire pour redescendre? Il va falloir que je fasse un échafaudage spécial sur le côté. Auquel cas l'échafaudage que j'ai fait était un peu inutile. On va détruire l'échafaudage. Ah non, on va pas le détruire tout de suite. On va faire un échafaudage d'abord parce que ça serait un peu bête de faire un échafaudage. Puis de le... Enfin, de détruire celui-là, de coincer des personnes et de devoir faire un échafaudage extérieur en vitesse. Donc on va commencer par l'échafaudage extérieur. Ils ont l'air de bien taper en bas, c'est bien. J'ai eu un mort aussi, bêtement. Ah non, mais c'était l'épisode précédent. En fait, je sais pas, parce que du coup, je reste scotché un peu devant mon écran, au fond. Je reste pas que scotché, hein. Je vais faire d'autres trucs parce que sinon c'est trop long. Alors toi tu dors, toi tu vas chercher des trucs, toi tu défonces sa race à tout le monde. Mais c'est un gros bourrin ce nain quoi, incroyable. Il défonce tout, il défonce tout. Allez on remonte. On remonte, on remonte. Alors... Alors, Lapines qui monte pas plus que 53-54, hein. Faudrait que je fasse d'autres trucs, j'ai fait des statues, tout ça, il faudrait que j'en refasse. Sauf que là, ils sont en train de construire le toit, sinon ça va les déranger, je pense. Niveau prod, ici. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Est-ce que si on creuse ici, voilà, et qu'on fait tilt, on pourra faire de la nouvelle canne à sucre. Ce serait plutôt pas mal. Oula, il y en a qui ont pas mal tapé. Ce
Sneaky Girl Die. Je sais pas de quoi il est mort parce qu'il a l'air d'être mort tout seul. Boum, il les one shot tous. Il est trop fort. Il a 10 000 d'attaque, 5 000 de défense, 7 000 de dommages, 8 000 PV. Et c'est lui qui a le plus d'attaque. 15 000 d'attaque. Mais mon dieu. Mais t'as fait quoi toi? Silver Magical Bent World. Un gros malade. Il s'appelle comment le mec? Grigory Mariage. Oh, une caravane. Grigory Mariage. Tu tapes du combien? Ah ouais. 6000. Mais c'est peut-être pas toi qui tapes le plus fort, hein. C'est un peu bizarre. Certains, ça tape plus fort que d'autres. Alors, t'es un vendeur de quoi? Vendeur d'armes et armures. Bon, bah, d'ailleurs, des trucs en os. On peut vendre quelques petits trucs en os, hein. Hop, on va trade. 56. Oh oh. 57, peut-être qu'on aura les 68. Je sais pas ce que j'ai fait du coup. Il y a un truc qui a fait qu'ils sont plus contents. Je ne sais point pourquoi. Ah, d'accord. Ah, on peut offrir des trucs au shrine. On peut offrir coins. Qu'est-ce qui se passe? On va voir si quelqu'un va faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe si on donne quelque chose? Est-ce que quelque chose va être vraiment donné un jour? Je sais pas qui va s'en occuper. Trading. Feed. Je sais pas si c'est du feed. Je sais pas dans quel... Ah bah tiens. Il a fait quelque chose. Ok, j'ai un héros qui est mort. Je crois que c'était niveau 36 et des patates. Bon, ça m'embête un peu. Mais bon. C'est pas non plus horrible. De toute façon, je vais récupérer un héros dans pas longtemps. À peu près sûr. En fait, j'aimerais bien avoir deux villageois de plus. Comme ça, au moins, ça me mettrait la limite de héros à 6. Parce que je suis toujours bloqué à 5. C'est pas mal, hein. C'est vraiment génial, d'ailleurs, 5. Quand j'ai 5 héros, je suis hyper content. Mais, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, là. Offrir du blé. Au fond, du blé. Par contre, si c'est ça qui a tué mon héros, je suis dans la merde. Quelqu'un veut-il bien lui offrir du blé? Voir ce que ça fait. Non mais je veux que tu lui offres du blé. Ok, tu lui as offert du blé et ça a fait... Que dalle. Bon, génial. Il semblerait que ça ait rien fait. C'est absolument génial. Truc totalement logique, hein. Ce que j'ai fait là. Est-ce qu'on peut pas faire des trucs un peu plus décoratifs? Ce qu'il me faudrait, c'est de la stone. J'ai l'impression que j'ai plus assez de stone. Bon, niveau iron, c'est bon là. Je pense que il y en a assez. Il y en a même chez lui. Énorme. Si on récupère un peu de stone. Allez, vous avez de quoi piocher là. Iron, c'est bon, je crois que j'ai du coal aussi comme ça dans un coin. Ah ouais, ouais, ouais. Énorme, la façon dont ça se dispose. Hop, le prochain il devrait apparaître là par exemple. Oula, plutôt là je dirais. C'est énorme la façon dont ça s'est disposé. Ça, on aura plein de pierres, on sera tranquille. Je pourrais faire des petits trucs un peu plus sympathiques en pierre.
60 sur 68. C'est pas mal. Si on faisait des statues. Là honnêtement, j'ai plus rien à faire à part attendre, donc ça sert à rien. Hey, ça a un sens? Non, ça a pas de sens. Je disais, est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire une pyramide ou un truc comme ça, un bâtiment un peu spécial? Il faudrait... Est-ce que ça peut se tourner? Non, ça peut pas se tourner, mais ça sert à rien alors. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi ça, Floor Wall? Peut-être pas le mettre là. Si on fait des tests, on va éviter, hein. Genre se mettre plutôt par là. 63 sur 68. Eh ben... Vous savez qu'on va peut-être arriver à bloquer les deux immeubles. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de place. Le truc... What the fuck, quoi. Ah oui, bah, je l'ai unlock. C'était pas forcément ce qui est le plus intelligent. Oh merde, j'ai encore perdu un héros, quoi. Il est... Hein? Il s'est transformé en quoi? Power of the Beast? Putain, c'est un lycanthrope. Je comprends mieux. Oh merde, c'est un lycanthrope, quoi. Bon, bah j'ai perdu encore un héros. Ah, là, 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 là. Alors, vous êtes à quel étage? Ouais, c'est au niveau 18, ça explore pas mal quand même. Bon, c'est pas trop mal. Excusez-moi. Alors, on reprend. Il y a juste ma mère qui est rentrée dans ma chambre en me demandant si je connaissais Age of Tomorrow, le film, hein, je parle. Ouais, et plutôt sympa d'ailleurs. J'ai bien aimé. Alors, bah du coup, à quoi ça sert ce truc? Je sais pas à quoi ça sert. J'essaye, hein, j'essaye totalement. Bone wall, pourquoi pas. Ça sert à rien. Là-dedans, il y a quoi? Pilier. On peut faire des piliers, ouais. En fait, on peut faire plein de trucs. Mais je sais pas du tout comment je pourrais gérer ça, quoi. Si, à la limite, on pourrait faire une cage. Faire une cage autour de ça. Comme ça, on est sûr qu'ils passent sur les pièges, les mobs. Ah ouais, pas con, ça. Faudra un endroit un peu plus ouvert, quand même. Ouais, quoique, ici, c'est pas mal. Hop, on va faire ça. Vous allez voir. Hop. Détruire le gel. Iron bar. Et une fois qu'on est là, on va mettre plein de pièges. Trap. Hop. On va mettre plein. Et là, sur tout le reste, on met des beer trap. Hop, et là juste devant on met une poison trap. Sauf que je crois qu'il fallait du poison bottle et que je sais pas comment on fait les poison bottles. Et je sais pas pourquoi je prends cet accent non plus. Toutes les eaux que j'ai, ça sert à rien, quoi. Alors, poison bottle. Déjà, cave mushroom ou juggle mushroom. Il faut un cooking bowl. Une empty bottle. Cooking bowl. Utilities. Peut-être pas là-dedans. Bah si, ça doit être là-dedans. Cooking bowl. Bon, ça doit pas être là-dedans. Cooking.
Cooking Bowl. Ah mais c'est une... C'est Utility ou c'est... Ça, c'est la question qui tue. Où est-ce que ça se trouve? Alors Vanity c'est pas pareil. Non plus. Non plus. Je cherche l'arrache. Je devrais pas faire ça. Cooking Bowl. Bah c'est ça, Cooking Bowl. Est-ce que j'en ai mis un? Hey, j'en ai pas mis en plus. 66 sur 68. Oh là. Oh mon dieu. Non, 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 la connerie à pas faire les mecs. Du coup, il y a des ghouls qui remontent quoi. Non. J'ai perdu ma super... Du coup, elles sont où les ghouls? Oh merde quoi. Faites chier les mecs. Oh fuck, je suis vulgaire. J'ai récupéré 3 ghouls à ce niveau-là, ce qui est très embêtant, surtout que le... Je sais pas. Bah oui, patate, te mets pas ici aussi. Pourquoi elle est venue là? Non, mais sérieux toi mec, tu pouvais pas finir les deux autres là parce que là j'ai juste des ghouls qui font chier quoi. Mais ça sent healthy. Bon bah ça va être plus long que prévu. Ça va être plus long que prévu, plus long que prévu. De quoi là-haut? Ah oui, c'est vrai que les échafaudages, ils ont un certain temps avant de... Faut que je fasse gaffe, parce que s'il y a des villageois qui se restent bloqués là-haut, j'ai l'air de quoi, moi. Bon, bah du coup, ça doit remonter à 66, qui va être assez simple. À 61. Ça devrait aller. Ça devrait aller, ça devrait aller. Pou, 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 pou. Bon, bah, de toute façon, je vais encore attendre. Prochain épisode, on va se retrouver quand j'aurai fini l'étage numéro 18. Le dernier étage. Et on aura fait, effectivement, l'objectif de toute la partie, c'est-à-dire couvrir tous les étages du jeu. En tout cas, tous les explorer. Et ce sera plutôt badass. Par contre, t'es où le héros? Tu peux arrêter de faire des allers-retours avec la Boostify là. Oh là là, encore trop de trucs à explorer, ça va être long. J'en en perdre encore là. Mais... Ah là... ça me tue tout ça. Je voudrais pouvoir faire kill Sneaky Ghoul quoi. Ah tu fais pareil pour celle-là, tu fais pareil pour l'autre. Tu reviens là, tu passes devant elle. Alléluia. Alléluia quoi. Excusez-moi. Excusez-moi une nouvelle fois, ma mère a tendance à venir à l'improviste. Alors. Ok, il y a plein de monde qui a l'air de se faire chier. Puis avoir de boulot. C'est un peu le bordel chez moi quand même. Un petit peu. Oh là là, j'ai encore perdu des mecs quoi. Ah, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Ça va être juste plus long que prévu, quoi. Plus long que prévu. Ça m'embête bien. Ah, et ça fait 20 minutes. Ça fait 20 minutes. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, on va laisser... on va laisser les choses un peu comme elles sont, hein.
Les héros vont chercher, vont explorer, et puis voilà. Et on verra bien ce que ça va donner, sachant qu'on arrive au bout là. On verra bien, on verra bien. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous!